tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait des fashion haul. Oh là là, enfin, là, je reprends. Il y a beaucoup de gens qui font qui me demandent, mamie, quand est-ce que tu vas répondre le fashion haul? Je vous dirais sincèrement, ce n'est pas facile. Après l'accouchement, tu dois t'assurer d'abord que tu réponds ton corps, tu te sens confortable avec toi-même avant de commencer les fashion haul. Ouais. Parce qu'après la maternité, on a un gros ventre, on prend du poids, on ne se sent pas belle. Il y a plusieurs choses qui se passent. Alors franchement, je ne me sentais pas du tout prête. Bien que je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais je me sens quand même bien dans ma peau. Raison pour laquelle je voulais vous partager ces fashion haul de chez Shein. Et ce n'est pas le vêtement normal. Ce sont les pyjamas et je suis super excitée parce qu'il commence à faire froid. C'est déjà l'automne. Donc du coup, je vous ai amené les pyjamas pour rester cosy pendant l'automne, pendant l'hiver évidemment. Et en même temps, rester toujours élégante. Rester très sexy et très très chic. Pour attirer vos maris, il est très important d'avoir le beau pyjama, hein, des musettes, des choses comme ça. Mais dans cet épisode, je vais tout simplement vous montrer les pyjamas parce qu'il commence à faire froid. Pendant l'été, c'est tout à fait normal de porter des musettes et tout. Mais pendant l'hiver comme ça, l'automne, quand il commence à faire froid comme ça, on a tous besoin des pyjamas qui est juste cosy, confortable. Le jour que tu n'as pas envie de porter un jeans, une robe, tu veux juste rester vraiment très relax chez toi, bien sûr, tu as le droit de porter un beau pyjama, un pyjama qui n'est pas trop bizarre, un pyjama qui est chic, hein, un pyjama qui est vraiment très très élégant. Ok les filles, que j'ai commandé chez Shein, et ces pyjamas, je l'ai déjà porté dans mes vidéos. Il y a aussi les gens qui m'ont demandé où je l'avais acheté. Et je profite seulement de vous faire un pyjama rond. Comme ça, vous allez voir tout ce que j'ai commandé chez Shein. Juste question de rester propre chez nous à la maison. Même si nous ne sommes pas maquillés, mais on est bien présentable, n'est-ce pas? Ça fait toujours du bien. Avant de commencer, je vais rapidement répondre à vos questions. À tous ces gens qui m'ont envoyé le message pour me demander comment je fais pour répondre à ma taille. Je n'ai pas encore repris ma taille à 100%, mais ce qui est vrai, je fais le gym à la maison et j'essaie de contrôler ce que je mange. Donc, quand je me réveille le matin, je prends un verre de citron avec de l'eau tiède, avec l'estomac vide, je bois 30 minutes avant mon repas et je prends un bon déjeuner. J'essaie de prendre plus de légumes, du saumon, la salade. Donc c'est mieux de prendre un grand repas vers le midi. Donc par exemple, si tu veux prendre le riz, tu veux prendre le poisson, le poulet, la viande, je ne sais pas, c'est mieux de le prendre vers le midi. Et le soir, tu t'assures de ne pas beaucoup manger, de ne pas dormir le ventre très rempli. Donc c'est ce que je fais et je fais les sports à la maison. Je suis un programme sur ces chaînes Pop Sugar, je vais mettre ça quelque part ici. Un programme que j'ai commencé à suivre quand j'avais eu Owen. Alors, ça date vraiment et franchement j'aime beaucoup et ça m'aide beaucoup à perdre du poids. Donc ils ont plusieurs sports. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez tout le corps, le bras, le jambes, ça va dépendre de vous. Et moi je fais full body. Donc je fais les squats, le ventre, le bras, quoi d'autre, le face. Donc je fais vraiment le full body, mais à partir de chez moi. Mais c'est toujours mieux de faire le sport dans les salles de sport. Ça encourage et malheureusement pour le moment, je ne l'ai pas encore repris dans les salles de sport. Je fais à la maison et on va voir comment ça va se passer. Mais franchement, si vous faites ça à la maison au moins 3 fois la semaine, vous contrôlez votre alimentation à la maison, vous assurez que vous allez perdre du poids. Donc comme je dis, c'est Pop Sugar, je mettrai ça quelque part ici. Et comme je dis, moi je fais les 30 minutes, je fais les 30 minutes full body. Et franchement, vous allez transpirer. Donc c'est vraiment bien. Et jusqu'à présent,
Donc ça va, je commence à me sentir vraiment très bien dans ma peau. Et voilà, et je continue jusqu'à ce que j'aurai mes 68 kilos. Et après là, maintenant, je vais commencer à contrôler. Mais pour le moment, j'ai encore le poids à perdre. Ok? Ah, donc ça, c'était juste un petit conseil. Mais ce qui est vrai, je vous promets, je ferai juste une vidéo vraiment pour vous donner une idée de comment prendre soin de soi. C'est très important, surtout après la maternité. Le corps change tellement. On a les gros bras, on a un gros ventre, le jambe, n'en parlons même pas. Franchement, si vous n'avez pas un mental solide, franchement, ça peut vous donner une dépression. Là, je peux vous assurer. Mais toutefois, ton bébé, c'est le plus beau cadeau. Il faut juste prendre son temps. C'est très, très important. Il faut pas se précipiter. Ok, les filles? Il faut pas, il faut pas. Surtout quand vous allaitiez, il faut vraiment aller tout doucement avec votre régime. C'est très, très important. Donc, prenez d'abord soin de vous, le soin de votre bébé avant de reprendre le sport ou avant de se mettre dans un régime. C'est très, très important. Ok? Avant de commencer, je vais donner un clin d'œil à Metal Little Angel. Elle a toujours sa promotion. Et on voit partout, donc en Europe, au Canada, au Congo, en Afrique, partout. Donc, profitez de mon code de réduction qui est de 15%. Je mettrai ça aussi quelque part ici pour le beau lipstick. Donc, ce que moi je porte, ça vient de sa compagnie. Voilà, la compagnie Metal Little Angel. Et le package, ça vient avec 6 lipsticks qui est juste dingue. Vraiment, franchement, à un prix vraiment abordable. Là, c'est mon bébé. À un prix vraiment abordable, 6 lipsticks. On a des couleurs nude. Comme aujourd'hui, je porte des couleurs nude. Et j'ai juste rajouté un peu de gloss. Mais franchement, regardez-moi ça. Même l'emballage, c'est vraiment top. Donc, les couleurs nude, les couleurs un peu fortes, qu'on peut porter dans une soirée, pourquoi pas. Vraiment très, très chouette. Donc, je laisserai son site internet en barre d'infos pour vous si vous êtes intéressé de réduction. Profitez de mon 10%, profitez de mon 15% de réduction. D'accord? Alors, on va commencer. Alors, le premier pyjama que je vais vous présenter, c'est rose. Ça fait vraiment girly. C'est super joli avec le plume. Oh là là, je vais insérer la vidéo quelque part ici. Vous allez voir comment c'est juste élégant, comment c'est juste joli, c'est classé, c'est sexy. Just name it. C'est vraiment très très joli. Voilà. Ça vient avec le plume comme ça. Regardez-moi comment c'est juste joli. Regardez-moi comment c'est sexy. Vraiment super sexy. Très très joli. Je pense que c'est du nylon mélangé avec du coton. Ouais. Regardez-moi ça. Vraiment super. Ce genre de pyjama pour moi, vous vous réveillez un matin, vous n'avez pas envie de vous encombrer avec de vêtements compliqués. Alors, vous portez ça à la maison, c'est juste joli et très très élégant. Et je ne me vois pas dormir avec ça. Avec tout ça, non. Je ne me vois pas dormir avec. Mais vraiment, franchement, c'est super joli. Alors, comme je l'ai dit, je pense que c'est le mélange du nylon et coton. Donc, même le haut aussi, ça vient avec le détail de plume. Voilà, c'est super, super joli. Et celle-ci, ça ne vient pas avec le bouton. C'est comme genre un peu peignoir. C'est vraiment super joli. Et ce qui est bien, c'est vraiment. C'est vraiment léger sur vous, c'est vraiment, you know, c'est juste, you know, it's sexy. Voilà, c'est ça vraiment. Voilà. On
va passer par notre deuxième pyjama. Là, je suis very girly, hein? Voilà. Le deuxième pyjama, c'est du satin. I love it. C'est vraiment du satin. Et ça, c'est un décolleté. C'est vraiment super sexy. Ça vient avec le détail du dentelle. Regardez-moi ça, pour moi c'est juste super joli. Et j'aime bien le motif, c'est juste top top. Vraiment super super joli. J'aime beaucoup. Et comme je dis, c'est du satin. Vraiment super joli. J'aime bien le fleur là. Ça fait un peu comme le pyjama du Victoria's Secret. Voilà, voilà. Vers le bas du pantalon, ils ont aussi rajouté ces dentelles. C'est juste chouette, très très joli. Vraiment, franchement, j'aime beaucoup. Que te quise amar, pero la inmadurez me la ahogó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Et ce qui est vrai, c'est ma toute première fois de commander le lingerie chez Shein. Et franchement, c'est top. Et vraiment, la qualité, elle chasse la... c'est juste parfait. Franchement, juste parfait. Next pyjama. J'ai pris ces couleurs. Alors, je dirais que ça, c'est doré. Ouais, je pense doré. Dark gold. Si je ne me trompe pas, voilà. Mais lui, par contre, c'est vraiment juste simple. C'est du satin aussi. J'aime bien. C'est aussi joli. Et lui, ça vient aussi avec du bouton tout blanc comme ça. Voilà. C'est aussi joli pour rester avec à la maison. Même pour dormir avec ça, tu peux dormir avec. Et voilà, le pantalon aussi est juste simple, avec l'élastique comme ça. Vraiment assez sympa. Préférence, moi je prends la taille large. J'aime pas de choses serrées pour dormir avec. Non, ça je ne supporte pas. J'aime vraiment être à l'aise pendant que je dors. Vraiment, si vous êtes comme moi, donc prenez la taille large. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti. Pasará, me dijo la tristeza. Hubiera replay, cambiaría por ti. Porque te amo, baby. Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor. Fueron errores que te marcan y cantarán. Next, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, c'est, je pense que c'est dark blue. Donc, en fait, c'est beige. En fait, lui, c'est beige. Ça vient avec ses fils. Voilà. Ça vient avec ses fils, c'est juste une fantaisie. Donc, on ne peut pas tirer pour ajuster. Et c'est un peu beige. Et les motifs, c'est bleu foncé. C'est juste très, très joli. Je l'aime beaucoup. Les motifs sont là. C'est du satin aussi. Franchement, super, super joli. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le détail ici. Regardez-moi le détail. Regardez-moi ça. Franchement, l'air pyjama, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les détails sur le pyjama de chez Shein. Regardez comment c'est juste joli. Et là, c'était le pantalon. Et le haut, c'est comme ça. Avec ses dentelles. Aïe, 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 regardez-moi ça. C'est juste super joli. Très, très élégant. Voilà, vous êtes en pyjama, mais très, très classique. Que te quise.
pyjama que j'aime beaucoup. La couleur là, c'est juste magnifique. C'est un peu le style Victoria's Secret pyjama. J'aime beaucoup. C'est du large aussi, c'est que je prie. Et c'est vraiment une grande, grande chemise. Hein. Ça me rappelle comme si je portais la chemise de mon mari. En tout cas, j'aime aussi le détail, le rose et puis le détail noir et ses boutons. C'est du satin aussi. Oh là là, c'est juste joli. C'est joli et c'est très confortable. Et notre dernier pyjama, c'est le pyjama noir. Vous m'avez déjà vu avec ça dans deux vidéos, si je ne me trompe pas. C'est juste joli. Vraiment, ce pyjama, je l'aime beaucoup. C'est super chouette. Je l'aime beaucoup. C'est juste noir. La couleur est noire. C'est juste sympa. Vraiment joli. Et ça me va très bien. J'aime beaucoup. La toute dernière chose que j'avais pris, c'est ces body noirs en dentelle. C'est juste chouette. Vraiment, vous savez les mamans quoi faire avec. Hein? Donc, j'en ai deux comme ça qui viennent de chez Zara. Mais quand j'ai vu ça, j'ai aussi aimé. C'est juste joli. Regardez les dentelles. Oh, yeah, c'est juste chouette. Vraiment super joli. Donc voilà, on a fini avec la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez vos commentaires, vos pouces, partagez avec les autres. Ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Suivez-moi sur Instagram, Fashion Elegance M. Ça me fera vraiment plaisir. Donc moi, je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je laisserai tout le lien en barre d'infos pour vous. Ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt. Bye!